Jean Sam ou tellement riche dans approche yo et moi pense que en un laps de temps ou résumé par exemple et pour nous et pour faire mise en contexte pour nous entrer d'emblée dans le sujet hein, pratiquement ou faire introduction dans le sujet après au fin remonter à toute origine qui fait que l'Occident joue aujourd'hui a un problème avec nous ou remonter avec Christophe Colomb et autres et comment ils ont détruit tout indien sous terre d'Haïti et puis ou remonter à exploit ça tout que nous fait parler de bataille de Bastia et autres et pour montrer que nèg pas pardonné nous et puis pour venir rentrer dans dimension comment nous t'ai chassé au prendre indépendance pour tout et de façon mystique maintenant et côté qu'on arrivé nous t'ai plus ou moins et gagné un petit petite précision que nous avons capable besoin dans ce sens-là, c'est le parler de création de logement en Haïti en 1824 et puis au parler de vaudois avec la machinerie comme étant et des structures spirituelles, mystiques qui sont beaucoup plus anciens. Mais en partant, nous connaissons que l'église protestante, il prend naissance, il paraît en Haïti dans les années 1820, bien que nous connaissons l'église catholique même de tellement déjà là, et que il était interdit normalement pratiquer vaudou et exiger, obliger nous-mêmes, rentrer dans la logique de servitude, dans le plan culturel, pour nous dire comme si adopter Dieu. Et c'est là où le jeune syncrétisme religieux, vaudou catholique, n'a pas originé dans le contexte tout de marronnage. Maintenant, c'est là où nous avons une objection sur ça. Okay? Parce que moi d'accord avec vous, mais moi pense que nous avons remonté parlant de la franc-maçonnerie et son rôle, nous pas qu'à parler peut-être de le Living Gain Structure en 1824, n'a parlé en seulement. Moi, t'as plus pensé, si on doit parler de la franc-maçonnerie, il faut remonter à ce grand homme qu'on connaît très bien et que c'est sûr que son égo a primé, que Rélé Martinez de Pasquale. Est-ce que là? Oui, ça veut dire que, à partir de là, moi, pas connaît qui ça que ou est et ou pensez, parce que Martinez de Pasquale, en quelque sorte, il a laissé la France pour venir en Haïti et pour une raison d'héritage. Mais le mot héritage dit très fort. Donc, le monde pense que c'est bien matériel, mais c'est un héritage spirituel que M. Baguera, quel côté le décage, par rapport au degré que l'atteint, c'est-à-dire dernier coup de siwelle, c'est là pour M. Tevin Brun en Haïti. Maintenant, par la présence de Martinez de Pasquale, Martinez de Pasquale, qui lui-même est venu en Haïti depuis de très tôt, n'a dit que dans la période et avant même la bois caïman, n'a dit que n'a situé venu Martinez de Pasquale en 1772 et à 79, et il y a mon galé jusqu'à 82, ok, si m'a pris un document, c'est-à-dire libre et côté. Martinicio écrivant, je t'ai situé là, mon monsieur, jusqu'à 82. Maintenant, il y a des gens qui disent, par exemple, si vous avez entré dans des recherches, monsieur, ou bien encyclopédie ou bien en Wikipédia, il y a un capalot de 79. Bon, bien entendu, c'est un personnage très, très, très énigmatique, parce que il y a un pile en mystère qui entoure, même par rapport à sa naissance, mais on va regarder un mec comme ça. Que on série de grands mystiques français prend comme modèle, yo, comme exemple. Nous ne pouvons pas parler de la franc-maçonnerie pour ne pas parler de Jean-Baptiste William Mose. Est-ce que là? Et nous ne pouvons pas parler tout de on série de nègres pour lui, Claude de Saint-Martin, qui était secrétaire, monsieur. Et encore, pour aller plus loin avec ces mystiques européens-là, René Guénon, est-ce que bien? Qui c'est en référence lorsque monde a parlé de société Sayo? On prend plus particulièrement la franc-maçonnerie. Maintenant, next a pas présenté ici. Déjà dit nous que le qui était trace, c'est-à-dire le devine font travail qui fait que loge l'intégrité constituée dans le nord, dans le sud, parce que monsieur pratiquement, il a dit que l'y enterré à Léogane,
mais nous connaît tout monsieur gagné normalement base dit dans la Gonave. Ça veut dire que tellement mystérieux et il a rôle qui capable permettre nous comprendre l'importance et comme si c'est né Haïti par rapport à importance spirituelle et mystique qui gagne. Donc et on pense que normalement en tant que maçon, en tant qu'initié, nous t'a qu'à faire un erreur grave pour nous passer nous de Martinez de Pasquali pour nous établir ou tamen importance spirituelle et mystique tête d'Haïti gagne. Ma passe au connant parce que c'est ou même qui invité, m'te juste préfère tirer ça ti personnel ça entre elle et c'est sûr que me connais que ou connant pile de Martinez et ou très abondant en parler et en entrer dans contexte ça avant même que nous t'a situé Cosian dans 1824 est-ce pas pensé Martinez de Pasquali te font travail poser fondement loge là même dans le pays d'Haïti bien avant date ça qui c'est 1824 frère Jean-Sam Oxelet. Oui, c'est vrai parce que officiellement Grand Orient parce que gain Grand Loge et Grand Orient de obédience de la franc-maçonnerie haïtienne qui pral officiellement 1824 et ça fait le porter nom et Grand Orient de 1824. Mais la franc-maçonnerie existait un paquet de temps, Jean Abdia là, avant date ça même. Parce que l'opre, depuis avant l'indépendance, nous, et Martinez, l'elbre à l'entrée en Haïti, héritage, pas v'le dit seulement Jean Dia et Makati, c'est là, Jean, c'est Kobo, bien c'est l'or, mais il y a un héritage ésotérique là tout. Et là, M. Pralvin, l'elbre à l'établi, c'est comme si M. Jean monsieur est entré comme s'il était perdu route Kaili. Yo dit c'est là qu'il a Kaili, c'est là pour faire Resville, c'est là pour mourir. Et réellement vrai monsieur pour passer tout temps jusqu'à ce que monsieur mourir là, il va l'enterrer tout près dans Léogane. Donc monsieur c'était une icône non seulement de la franc-maçonnerie, ou le jeune Martinez de Pasquali l'a étudié Helicoen, l'a étudié martinisme, c'est ton nèg qui était on chevronné son nèg qui te connaît mystique là et pour monsieur li t'a prêt aller vers la lumière parce que Haïti est la flamboyé li te vle c'est là pour dernier souffle et monsieur t'a pas l'établi li toute époque tout proche et nous parlons époque et avant indépendance monsieur était établi li avec les mystiques en équipe initiée monsieur Tabay grade et donc ou pas capable pas parler de gros personnage ça et m'd'accord avec vous Makatu même gens sont évoqué date et l'ont évoqué l'église catholique et alors qui pas pour nous qui débarque là même gens protestants pas pour nous qui débarque là et vaudou ali même qui débarque là ancêtres nous débarqué ensemble avec elle et qui pat déjà dans terre et là nous débarquer avec li va servir comme outil pour gros bataille fait nous va nous te contacter passé et côté décret acte de l'indépendance pays d'Haïti en Fort Dauphin actuel Fort Liberté nous contacter passé et 14 15 août tout qui sont débarqué long donc qui vient faire que et gon bagaille de Saline te dit m'kwè c'est nan 20 mai 1805 nan constitution impériale 20 mai 1805 lan monsieur te dit comme ça que non seulement là c'est maman liberté tout moun ki gen problème vini là il dit tout pa gen problème moun gen doit prend faire choisir religion ou vle que ou pa déranger l'autre moun sa bat tambou li kite le bat tambou l'autre là lui même c'est musulman lié depuis pas déranger ou quitter le faire méditation pas déranger il dit là c'était maman liberté c'est berceau de l'ésotérisme même j'ai dit l'Afrique ou l'Égypte c'est le berceau de la civilisation donc Haïti c'est berceau c'est corbeille spirituel monde là il dit quitter mon yo parce que son papa nous c'est maman l'humanité donc quitter moun yo vini là et c'est ça qu'faut pas le nous pas déranger l'autre religion moun nan ka baptiste nous pas déranger les ka protestant nous pas déranger qui différent te gon époque en Chine
et monsieur ça c'est le bouddhiste ou pas loin te gon époque yo pas t'accepter l'autre tant que moun n'a vinn protestant vinn nouvelle église à Kali te gon époque qu'on y a avec le temps et son village le monde vinn font seul bagay vinn différent mais qui était différent de nous-mêmes de ça l'in te dit là c'est maman liberté même le a persécuton blanc depuis le vini là depuis le tomber là li libérer faut que nous prenons les armes pour nous protéger li c'est ça faut après le Miranda ça qui t'est passé nous te protéger Miranda font paquet de temps et Jacques Mel et là monsieur pour aller nous voir là avec des soldats et avant la mort de Jean-Jacques Dessalines t'a pas mort 17 octobre 12 mars 1806 nous voyons armes stratégie monsieur prend force mystique et là t'a pas créer Venezuela. Donc son paquet de bagaille et Makati c'est un gros bagaille. L'a parlé de Haïti nous t'ayé et l'a gardé c'est ça lié depuis aussi des noms Haïti c'est comme si m'dadou ou entrer dans nom bon Dieu c'était en divinité en même oui. Cela et moi-même moi très j'aime dou là moi très édifié par approche qu'on fait et dans façon que vous fait résumé pour entrer et d'emblée dans le sujet, hein, et où se dit, parce que nous ne sommes pas capables de mettre de côté, on est qu'un coup Martinez de Pasquale. Maintenant, qu'on y a là, ça peut permettre que nous comprenions, si Haïti a gagné toute importance, ça, Jean-Sam, dans les yeux, un grand mystique, nous sommes capables de dire que jusqu'à présent, il était comme référence, on n'a qu'à dire, puis grand mystique dans l'époque liant, parce que tout n'est que y a loué dans toute ordre initiatique, que ce soit le Martinez, que ce soit et l'autre audio, la Rose-Croix et autres, eh bien, qu'on parle de lui, Claude de Saint-Martin, qu'on parle de William Mose, qui est le fondateur du Rite écossais, qu'on parle de René Guénon, qui sont référencés, même, on a capable de dire, on encyclopédie de causes mystiques, là, eh bien, et tout, c'est des mondes qui, comme Simdadjo, viennent après, mais on ne croit que Guénon vivra, monsieur, mais, comme si la majorité des que m'a dit, monsieur, c'est élève, monsieur, que vous eh bien, et monsieur lui-même, c'est quand on comprend que élu, et là, monsieur parle de élu Cohen de l'univers, elle se comprend, et on sait que monsieur était mis sous pied, eh bien, monsieur était venu en Haïti, eh bien, a dit pour mon que monsieur était venu rétabli, monsieur était venu réuni élu, parce que monsieur connaît que tiers élu, tiers de Salomon, que Bacon t'a parlé, hein. La maison de Salomon, c'était là. Monsieur comprenne bien, monsieur et Christophe Colomb ont échoué, parce que j'étais joué des choses matérielles, mais l'héritage spirituel que cherchait Colomb, okay, en tant que Templier, il ne l'avait pas trouvé sur la terre d'Haïti par rapport à comportement, et il m'a capable de dire catastrophique, okay, criminel, que monsieur Espagnol lui a gagné. Donc, et Christophe Colomb, dans sa mission, il sait pertinemment par rapport à toute gloire que la balle lui échoué parce que son but et son objectif en tant que Templier, ce n'était pas seulement une question de richesse et de trésor physique, mais il était aussi question de cette spiritualité, de ce mystère, du grand mystère qui est capable de renouveler et renouveler la face du monde, c'est-à-dire ce secret capable de transformer l'humanité et de transformer la terre en un paradis. C'est ce que je cherchais pertinemment et Christophe Colomb, et qu'il n'est pas abouti par rapport à comportement maléfique, d'accord, criminel, assassin, que l'Occident épousait. Maintenant, un homme comme Martinez de Pasquale, soit suivi dans rite, dans rite, et gradio, Jean Monteiro, au brin, c'est-à-dire que c'est une dimension spirituelle élevée avec une philosophie spirituelle élevée. Maintenant, là, on est consacré en Haïti pour venir rétablir l'ordre des élus. C'est-à-dire que élus, ça y est que la parler, ils connaissent que de façon naturelle qu'ils sont là, et initiation, ils prennent depuis la naissance, et ils prennent depuis façon que ils quittent l'Afrique, dans le bateau, pour éprouver par l'élément qui est fondamental. C'est-à-dire, on a parlé de Annick de Souvenel, on a parlé de des eaux d'en bas, et des eaux d'en haut, Jean-Pierre Blandin. C'est-à-dire que l'épreuve des eaux d'en bas, c'est-à-dire la sortie de l'Égypte, ok, en traversant le Pacifique, l'Atlantique, ok, tout ça, la mer Sahara, est-ce que vous comprenez ça, Mabdouna, la Méditerranée pour nous traverser grande mer Sahara, c'était plus qu'une épreuve initiatique, ok, qui est allée sous des et des jours.
Est-ce que vous comprenez ça, Babdou? Ça veut dire que les gens qui viennent là, c'est des gens qui viennent tout initier à travers l'épreuve de l'OAN. Qu'on connaît que World 4 éléments ont joué dans l'initiation. Maintenant, quand il y a là, l'homme qui vient là, moi pense que mon travail et que ces hommes-là, et pas seulement penser, recherche Bali tout, et même, je souhaite faire mon travail sur le plan mystique et que ces hommes-là, tels que Henri Christophe, et tant d'autres de nos héros, j'ai joué une formation dans le même monsieur, et bon bagage qui gagne, c'est que dans le document que on a écrit en laissé François Maniga, ok, monsieur dit que mon capitaine dans l'armée française qui avouait, il était franc-maçon, il a avoué que le monsieur vini là, ok, il dit que même fille, il y a eu des attouchements. Et que mesdames yo répondent yo. Donc, même les femmes, c'est-à-dire que vous parlez avant ce qui était gagné, pendant que l'obédience yo pas pour accepter les femmes dans le temps, mais déjà en Haïti, les femmes haïtiennes yo étaient initiées à grand mystère yo dans l'ordre et le Cohen, qui fait que yo pral capable de gagner dimension pour participer dans la grande bataille cosmique ça, qui pral physique densifié sur tout est d'Haïti. Ça veut dire que nous croyons que M. Tefon travail. Important, et là, et M. Tevle mourir, et M. Alanli expliquer, et c'est ça que je pense que livre ça, ok, livre Martinez sous Martinez de Pasquali, son livre pour nek li, parce que M. Tevle réalisation que le débris fait tout, c'est ça, il est la chose, ok, en tant que mystique, ou connaît, dans quelle dimension m'a parlé, ça n'a pas besoin de détailler là, à nous seul connu. Maintenant, la chose là, normalement, M. Batka réalise en quel autre côté, que en Haïti, dans ce contexte-là, M. Bral finit ici et il Bral réalise. Eh bien, ça que tout le monde dit, c'est que le Alnaton Martinez de Pasquali, ou pas qu'à jouer un vestige en 15 ossements, monsieur, qu'après un nombre de temps, le monde qui est dans la zone a témoigné, que ouais, il y a une grande lumière sous ton monsieur, donc ce qu'il a réalisé, et c'est cela Haïti qui a réalisé, monsieur prend. Physique, il fusionne en des particules de lumière. Ça veut dire que force lumineuse ou Shekinah, la présence de la gloire qui est en Haïti, Martinez de Pasquali, pour arriver normalement, gagner un contact direct par rapport à Piel que le mettait là. Donc c'était l'héritage. L'héritage, c'était on est qui en avance sous temps-là parce qu'il a atteint cette immortalité physiologique que Nicolas Flamel était parlé de lui en tant qu'alchimiste, mais pour cette réalisation alchimique, il savait pertinemment que le secret est là, c'est un héritage que M. Levindel, côté colonté échouant, Martinez, lui venu là pour lui réussir. Est-ce qu'on comprend? Bon, ça veut dire que là, on a parlé un peu sous question, et vous faites songer Michel Soukart qui te dit ma gâture, moi j'ai un livre pour m'écrire sur et Martinez de Pasquali. Et le SAF, nous chita, et à l'époque, moi et ma Michel, nous devons sortir à l'Ouest, en Mirai, Blague, tout ça, parler de mystique et autres. Mais nous pas de temps réaliser ça. Même, je pense que faut Michel tourner sur dossier ça, parce que, on grand homme comme ça, qui vit en Haïti, faut qu'il y ait des recherches historiques qui dit qui ça, monsieur Tevin fait comme plus grand mystique, l'Occident, en Haïti, et qui voit monsieur Tevin jouer, qui pral très rapidement, parce que, nous, nous avons des temps où sont-ils depuis 1500, 1400. OK? Donc, 1503. Depuis 1503, nous venons là, jusqu'à après combien de temps? Environ 300 ans. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoulan, que nous allons rentrer dans la réalisation, libération? Donc, vous allez que vous ne prenez pas de temps par rapport à l'homme se vini pour compter le travail que nous faisons. OK? Non seulement il a été posé en Occident pour libération faite, qui va remonter, qui va le bord à 1789 avec la franc-maçonnerie en France, mais il a été posé fondation là tout, et on parle de ce qu'on appelle des Jacobins noirs. Ok? Ça veut dire que, normalement, frère, bien, on est comme ça, on ne peut pas passer de lui. Parce que, on va venir sur question pour nous là, en tant que grand initié qui a fait un travail dans le pays d'Haïti. On est comme ça, nous pas capable de lire, Jean-Sam, et par rapport avec ça, l'importance que vous dites là, qu'on est important, si, et lui choisit ça, ok? Faut nous mettre actuellement, faut nous mettre accent sur sainteté qui gagne dans la terre d'Haïti.
nous bon discours nous et Mathieu t'a poné là ça moi même avec OK discours là lui-même il vient abouti parce que moi m'd'a faire ouais valeur dans tout séminaire nous fait ensemble valeur Haïti sous plan spirituel et lui l'a fait well sous plan et minière OK en termes de ressources et tout ça que Haïti gagne minéral comprendre et moi ouais que travail Mathurin hein, en quelque sorte li vinn prend extension li connu c'est-à-dire que c'est ce travail physique li réalisé partout sur les réseaux sociaux on parle de nos mines qui fait que les gens intéressés bon ça c'est primordial parce que auparavant si mon ne cap étudier l'histoire pas qu'on a Haïti de gagner toute valeur ça maintenant il faut faire la rééducation de nos enfants et faire comprendre réécrire les livres pour les enfants aussi parce que faut que tout apprenne ça que cap véhiculer la victime en fait la connaît sous-sol Haïti riche c'est pas seulement Haïti est un pays essentiellement agricole et puis ouais tout grand monde a fui qui détail mais faut qu'il connaît mine travail ça fait on pense que le fait et tout petit monde dans des réseaux sociaux connaît ces mine nous besoin mine voler maintenant le travail qui nous reste à faire en tant que musique et qui est fondamental et capital qui on démarche culturelle c'est comme si rentrer dans tête nous que Haïti son terre sacrée à l'instar de Jérusalem et même plus c'est la terre sainte et nèg yo a bataille ton way a goumé dans Jérusalem non yo focus moun mais on connaît que cette réalisation gien travail spirituel qui vous fait tout terre il faut que à tout prix yo accapare de zone ça gien des blocages par rapport à divinité il faut que à tout prix yo et occuper espace ça dans cela ça veut dire que moi penser que si nous voulons faire valeur sa sortie, il faut que nous remontions à Gonel, tonton la caillou, y a adoré, qui c'est Martinez de Pasquali, qui lui-même te vine là, nous devons parler, vraie mission, Christophe Colomb te gagne, le demander côté top là hier. Et cela, maintenant qu'on y a, puisque travail ça, implantation ça, la franc-maçonnerie en rapport avec ces messieurs qui ont une conscience élevée et différente de ces francs-maçons actuels, l'été porté fruit jusqu'à ce que non seulement son combinaison de vaudou et de cabale de haut niveau qui va permettre que dans la cérémonie Bois Caïman, ces messieurs étaient aussi présents, et bien nos libertés. Maintenant qu'on y a là, qui vol nous capable de penser que la franc-maçonnerie capable de jouer dans la libération du peuple haïtien pendant que nous connaissons tout au niveau des loges, surtout dans la hiérarchie, hein, avec la venue des Illuminati. Un homme tel que Adam Vachepot et un jésuite tel que Adam Vachepot dans les années 1776 à Bavière qui a donné naissance à l'ordre des Illuminati qui par la suite va le faire courser en France aux États-Unis et tout de suite dans même année et révolution pété aux États-Unis OK et nous prenons ouais que monsieur Sayo yo chambardé l'ordre des choses et qu'on sorte de libéralistes et néocolonialistes qui sont encore en dans ces messieurs-là, qui accaparent de la franc-maçonnerie. Maintenant, est-ce qu'on pensait que à partir de l'égrégore franc-maçonnerie, hein, nous allons toujours continuer à œuvrer pour libérer Haïti pendant que l'égrégore, c'est l'égrégore, monsieur l'Occident qui voulait lui-même rentrer dans nos systèmes néocolonialistes. Mes questions. C'est une très belle question, Makatur. C'est ça, Haïti réveillé. Oui, parce que nous, il y a des nègres qui connaissent ça par l'éclat. C'est une très belle question. C'est une très belle question. Et moi-même qui fais un peu l'expérience dans plusieurs ordres initiatiques, l'un des plusieurs ordres initiatiques, et me fais kabbal, me fais amok, ouzkwa, et me fais yoga, me fais maçonnerie. Mon idée très large et dans vaudouin donc mon capable font synthèse de toute bagaille et mais par rapport à loge tellement visité tant que moi-même qui c'est un maître Z et mina commandeur et passé maître vénérable d'honneur et grand inspecteur général 33e mon expérience que me fait et maître Makatur. Et où est la franc-maçonnerie? Yo dou ki universel lan. Chaque pays qui fait li gon certaines modifications. Et l'op paraît en aide monsieur Sao base spiritualité aussi méditation, on va l'attacher même j'ai avec la Chine
base par là c'est le bouddhisme sous pas non loge dans pays ça ou après tout monde chita pour asanas yo chita à terre yo fin fait base méditation avant yo fait ouverture des travaux tout monde ça cap méditer ça cap léviter a léviter li attaché à culture par yo l'opère aux États-Unis et maçonnerie en pral traverser aux États-Unis li pas pour les États-Unis américain pral vinn prend le bi devant parce que sorti de anglais yo. Et blanc Jean blanc travail mal dans loge américaine yo ouverture des travaux bla 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 qui différent Afrique en Afrique quoi après africain les l'a fait ouverture des travaux séance de méditation et séance mystique li ou après l'attacher avec la caille et en Haïti la franc-maçonnerie haïtienne ça fait grand pile monde qui dit li préfère venir prendre degré dans logistique tant prendre New York li préfère initier en Haïti non seulement c'était mystique là mais gon bagay l'a initié dans pays a li attaché à Grégoire pays par exemple on inspecteur général 33e tant que moi l'a prêté serment en tant que grand inspecteur général 33e ou marié avec drapeau pays d'Haïti drapeau pays ou imaginons on mon maçon cal prend 33e aux États-Unis puisque le grand parti symbolique de drapeau pays ou qui drapeau pour développer le peuple drapeau Haïti soit pendant en Chine qui drapeau pour développer c'est drapeau chinois m'a parlé de 33e degré ou la macature yes donc qui vient faire que l'ordre dit maçonnerie chaque côté yo li vinn pran forme qui attaché à culture côté a tant que de cérémonie n'a fait en Haïti ou après le marié avec quelques bagages qui semblaient à culture nous avec et bagay moi rappelé moi dans l'année en janvier 1776 dans le mois de janvier 1776, c'est pour me répondre à une question qui ça la franc-maçonnerie haïtienne capoter. Tellement t'es un problème après massacre qui était fin fait et Massachusetts Boston soutien élève l'école yo. À l'époque, les États-Unis pas de co 50 combien état lié jodi à là. La les États-Unis c'était 13 colonies qui pour aller venir 13 états puis devant qui te gen Massachusetts, qui te gen New York, qui te gen Georgia, etc. 13 colonies, qui pral bo 13 États. Eh bien, la franc-maçonnerie aux États-Unis, et gen un livre qui marqué, qui écrit La maçonnerie dévoilée, qui ça m'a appelé moi, ou après côté que militaire yo, a zam gen ben nan men yo, tablier maçon yo nan ren yo, épée nan men gauche, dans la révolution bataille américaine, Negyo a tiré, y a plus même baleine, y a boulé ensemble. Image ça on gagne dans document très prochainement m'a porté pour mettre ma capture. Et 20 en janvier 1776, monsieur était font rituel qui était relé un rituel national. Comme au bout de 50 combien états dans 13 colonies, toute loge a plus même flambeau. Nèg ki militaire ki maçon yo nèg ap di prière fè cérémonie premier deuxième degré troisième degré l'autre degré avancé yo et puis tout 5 mois quelques semaines plus tard après gros cérémonie ça 4 juillet 1776 les États-Unis pral prend indépendance li donc monsieur ça a été porté en bagage aux États-Unis. Et premier président, alors, qui parle premier président, parce que premier président, il n'y a pas de petit président à l'époque, époque coloniale, c'est ton noir, c'est ton grand noir qui était le premier chef et 13 tribus. Hein. Donc, officiellement ou bien et juridiquement, premier président, après George Washington, qui c'était premier franc-maçon, maître maçon, et monsieur maçon, il parle Kimbe États-Unis, maître Macature. Nèg yo pral premier cob yo pral sorti dollar américain
ou après sou ap gade dola américain paquet symbole maçonnique ou après gen pyramide la dang li gen triangle avec grenier d'air de vénérable là li gon paquet symbole li gen acacia là dans le kon ki symbole lié ou comprenn ou pral wè 13 étoiles yo symbolise les 13 colonies donc nèg yo pral bâti pays a mystiquement et yo pral construit pays a face à l'orient Pentagone des États-Unis face à l'Orient, un paquet de gros édifices face à l'Orient qui c'est Eslan côté lumière en sortie, énergie sortie. Et ou pral wè majorité président des États-Unis, ou pral wè pifo la de ou, mais dit tout c'était maçon. Gen 3 ou 4 qui pat maçon, gen un qui te mouri au pouvoir qui te prend balle, c'était Kennedy ou pote li pote non, li gon airport qui pote non li. Et airport Kennedy. Donc puis fort monsieur et nèg yo pral bataille fait mystique jusqu'à ce que yo goumen yo vinn première puissance mondiale. Donc son exemple on prend deux pays ça qui collé avec nous qui c'est les États-Unis. OK, excusez Jean-Sam, excusez si me font si interrompre mais et seul petit précision nous capoter et ou dili mais faut nous porter pour moun yo que dollar li pa gen symbole ça yo dans début hein. C'est à partir du début du 20e siècle, c'est-à-dire que dans les années 1913, OK, et dans même période de réserve fédérale, yo, nèg sa yo pral prendre contrôle question 1 et yo pral mettre empreinte maçonnique là sur question ça, tout gros symbole ou en dollar ou pral wè yo. Et c'est là tout Amérique a imposé le pour prendre contrôle avec hégémonie mondiale là. Donc nèg yo pral entrer à l'œuvre, yo kon momentum là, c'est pour yo lié et puis nèg yo yo tout défini bagala à travers et modification ça que porté dans l'argent. Ça dit que faut ou tenir compte d'un série de nèg terrain mais magie en pile à l'époque qui t'a œuvré et opéré que Haïti tout est intéressé au qui c'est Franklin Delano Roosevelt et qui prend temps mais en même temps gros complot ça sous dos nous le pays d'Haïti qui a été division. Maintenant c'est juste précision ça débler nous porté et dans sens ça, ça dit que l'âme bien quand on vient avec prémaçonnerie américaine là eh bien et c'est juste si précision sur question l'argent on prend approche là et résumé en bas c'est très positif pour entrer actuellement là dans franc-maçonnerie haïtienne pour qui ça lui même il pas qu'à cotiser il pas qu'à contribuer pour permettre Haïti sortir dans ça lié là est-ce que à partir de modification nous sommes parler là avec les illuminati qui infiltrent la hiérarchie de la franc-maçonnerie haïtienne pas lui même au service de l'Occident et s'il pas au service de l'Occident j'en saute par exemple pour qui ça lit pas et comme si m'dadou fait en jonction entre connaissances maçonniques et l'Europe gagne bail avec et tradition nous parce que j'en saute dire parce que c'est un point capital que nous devons tenir compte son enseignement fondamental pour ce bail et l'important vraiment à chaque côté franc-maçonnerie rentre bien il toujours joue une touche culture que côté l'Ichita. OK, j'en saute dit pour aide, monsieur Chita en zazen yon en top plan, on bien, et en position de méditation avant toute bagaille, on bien commencer, on bien, et normalement, OK, en entrée par bon ici, qui wall la franc-maçonnerie, est-ce que gagne jonction ça qui fait avec culture nous, hein? Et s'il pas fait li totalement occidental, est-ce que li capable libérer nous par rapport au égrégore, l'Occident qui a dominé politique nous et dominé nous. Tout gens dans le pays. Oh oui. Eh bien, pour m'ajouter, mettre ma carte, oui, ça dit assez salié, mais ça qui passe, l'homme parle de dollars, c'est pas tout dollar 1776 là, non? Parce que vous prenez l'indépendance au 4 juillet 76. Alors, dollar, yes. C'est on date reculée, date après, parce que vous n'avez pas de café comme tout. Parce que les Américains, vous n'avez pas d'accord l'indépendance. Là, et. Angleterre pas d'accord li et moi rappelle moi c'est roi de France là pour le côté roi Angleterre là déjà on cherche qui était monsieur et c'est pas yo pas en menace bagarre lui parle avec comme c'est roi avec quoi et yo vient accepter indépendance monsieur mais l'homme parle de dollars c'est pas date yo prend indépendance non c'est date et futur là date où sont évoqué là yo t'a pas le faire dollar parce que à l'époque yes. Il pote coca n'en fait l'argent. Robin, okay. Parce que Negio 4 juillet 76, les Negio bagay, yo te toujours nan courir toujours parce que malgré yo
di yo indépendant 4 juillet 76 nèg anglais pral réenvahi yo encore c'est deuxième envahissement ou pral wè Haïti té présent à l'aide yo ba yo coûte mais encore deuxième envahissement après Savannah qui pral ba nous deux fois donc c'est tout symbole ça yo Jean sous tap dia Makature mais ça qui passé en Haïti Makature et gon paquet profane c'est même gens là aller non temple Shaolin alors son professeur karaté tout et profane n'a frappé l'air ouvert pour lui li dit ta remet fait partie de temple Shaolin yo fermé yo pa li font moi la marcher frapper on l'a ouvert pour lui yo dit pour qui sort ta remet Shaolin il dit bon pour me développer faculté aider semblable moi yo commencer faire le balai la cour pour voir est-ce que son équissage après balai la cour commencer suivre jusqu'à ce que yo ouais monsieur capable on met Shaolin et puis tout Livin fait partie de dojo à l'entrée jusqu'à ce que Livin bagaille. C'est même gens l'on monde voulait initier quel que soit ordre initiatique là bon prend la franc-maçonnerie parfois nèg la kon voulait initier c'est parce que nèg la gen kob li besoin protection alors c'est pour fan nan nous pourquoi parler de grand mystique non là aller parce que le protection il dit ah s'il vient dans la formation il cap protéger ou bien aider tête lui il vient pour une raison on l'autre vient encore pour l'initier il gon bagaille dans tête lui il gain doit aller dit ah on va l'initier parce que ba yo pas bon pour lui pour lui penser le fin initier comme pral tomber sous l'île pas connait c'est aller l'école gain profession pour le travail pour faire comme ça son deuxième raison gain moun qui vin initier tout c'est par curiosité li tande dans la rue a dit les initier terre ouvri c'est si c'est là li pas connait le besoin c'est par curiosité le besoin à regarder est-ce que c'est vrai donc chaque moun sa yo a initier pour une raison mais ou pas Jean mon monde vient remplir en forme pour initier bon bien que ou pas cal non le faut l'initier tout faut gagner trois maçons qui pour parrainer même les maçons si ou pas regarde 2 mètres ou pas capable pour aussi un pour capable venir initier ou pas pour un monde venir initier leur mandel pour qui raison pour le dire c'est une raison patriotique c'est parce que me veux changer Haïti non après le dire elle besoin développer force intérieure besoin qu'on univers là l'ovin gen tout initié ça yo yo chaque initié pour une raison même gens moun nan gen doit aller non temps pour vous la initié c'est pas raison les mandé pour qui ça vient c'est pas raison pour délivrer Haïti al pral di il doit dire petit dicté malade dans louga ou manger l'île pas veut manger l'autre yo li vin initié pour capable protéger famille pour la bonne raison mais pas pral évoquer raison Haïti a. Et c'est ça qu'il faut pas louer. Le problème des accessions Haïti a problème Haïti a posé si c'est pas des mystiques qui patriotes ou pour difficile pour résoudre problème Haïti a. Parce que mon nge doit un grand mystique dans vodou, c'est pas Haïti a louer. Il doit un grand mystique dans cabale ou bien dans la franc-maçonnerie ou bien dans rose quoi, c'est pas Haïti a louer. Mais le moun nan te déjà gen sens du patriotisme la kayli ils sont patriotes li remet Haïti le salvin konnen te sa ki te li et j'en a parlé de li a Makature moun sa li capable bataille pour pays a kounya comment initier capable délivrer pays d'Haïti pour moi même c'est à sélectionner les vrais patriotes yon moun ki mystique qui compte histoire pays d'Haïti, qui compte terre sa dimension terre sa, ou dit bon, on prend 50 dans la franc-maçonnerie, qui patriote, qui compte histoire, qui gagne l'amour pour Haïti, on prend 50 dans vaudoua, qui remet Haïti, qui patriote, qui compte vibration terre sa, on prend 50 non l'autre,
qu'on y a pour nous réfléchir comment nous capables de livrer ça. Mais si c'est rete nous dit tel ordre initiative comme ça sans nous pas sélectionner les vrais patriotes tant qu'on m'accatum qu'on travaille au faire pour pays et nous en mis longtemps plus que 20 ans depuis nous en mis au bon valeur sacrifice me fait pour Haïti tout son aller dans ambassade Saint-Domingue là on était pas haïtien sous place publique yo coupé tête y a shooté boulavel dans ambassade en pays Saint-Domingue on prend drapeau Saint-Domingue brûlé zam braqué sous moi ou même son nèg qui gon l'amour pour pays. Yeah. Ou an a met. Donc ça nous pas douter sur lui et Jean-Sam, excusez. Jean-Sam, et nous pas douter sur lui. Maintenant, ou poser problème là par rapport à la question que nous posons là de face ou poser là sur le plan éthique, moral et de volonté patriote. OK, OK. Mais nous-mêmes, nous voulons, et il y a un pile de monde qui pose des questions hein, sur le plan égrégorique. Vous êtes enchaîné déjà, nous estimons que vous enchaînement de prend qui est correct, qui était déjà dit, ou a vini sur ça, c'est l'autre entré pour montrer la franc-maçonnerie toujours, comme si Mdadou adapté avec tradition locale. Oui. Et que je pense que par la suite, vous allez montrer sur le plan égrégorique qui n'est pas fait en Haïti. Pas gen anken adaptation la franc-maçonnerie par rapport au vaudou. OK, ça veut dire que là nous prenons par exemple, nous chita sur des tracés. N'a besoin des symboles maçonniques, c'est-à-dire que symbolique là et autres, l'équerre et le compas. Et c'est-à-dire que là nous prenons dans contexte hexagramme là qui très présent dans verbe vaudou yo, tandis que pas bon regard et en attention qui porte nous en tant que initié pour dire que OK, comme symbole maçonnique ça, li en dans verver yo, on a cherché applicabilité yo en dans structure non contexte national sans pour autant nous parler c'est nous influencer par contexte et grégorique occidental. Est-ce que ou à côté mien? Ou correct, ou correct. C'est dans sens ça, l'autre a enchaîné, c'est ou correct, c'est ou bien approché par moi qui te fait. OK? Pour montrer adaptabilité. OK, franc-maçonnerie occidental dans chaque côté que yo passé. OK, malgré origine occidentale li adapté avec population yo dans tradition immersion.